Toute cette partie du service se déroulera alors que la congrégation sera assise. Je vous invite maintenant, mes frères et mes sœurs en Christ, à ouvrir vos Bibles dans deux psaumes. Le psaume 32, nous savons pas ce lundi, Alexandre, le lundi, il conduit cette lecture, et le psaume 51, il sera conduit. J'invite Sœur Daniel le maire à conduire la lecture de ce psaume, et après, je chanterai avec vous. Grâce infinie auquel vos dons. Et nous entrons dans la prière silencieuse. Nous allons demander au Seigneur pardon pour les fautes commises tout au cours de cette année jusqu'à aujourd'hui. Ce sera une prière silencieuse et entre temps, nous demanderons quand même au maestro ou bien au studio de bien vouloir jouer une musique parce que nous sommes en onde. Donc, débutons la lecture des psaumes 32 et 51, deux psaumes de confession. Lisons ensemble le psaume 32. C'est pas une lecture alternative, mais c'est une lecture commune. Nous allons lire ça ensemble. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, et l'homme à qui l'Éternel n'est point de cours. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma douleur n'était plus que ses fesses comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avoue mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout comme Dieu te prie autant convenable. Si de grands jours débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu as garanti la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'estimerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, je serai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On est pris avec un frein et un erreur dont on lève tard, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui est confié en l'Éternel est emprisonné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans la détresse. Poussez un cri de joie, vous tous qui êtes droits des cœurs. Amen. Avec vous, c'est Daniel le maître. Psaume 51,
lorsque Nathan le prophète vint à lui, avec David qui est allé vers Bathsheba, ensemble, ô Dieu, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à l'esprit. En sorte que tu seras juste dans la sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc que l'esprit la sagesse au regard de toi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la grâce et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien. Ne me rejette pas la main de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche oubliera ta louange. Si tu voulais des sacrifices, je donnerais des frères, mais je ne prends point plaisir de vos holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne délèves pas un cœur brisé et mortifié. Réponds par ta grâce, Seigneur, fais soucillant. Bâti des murs de Jérusalem. Alors tu agréeras la sacrifice de justice. Les holocaustes et les victimes de ma terre. Alors on offrira les taureaux sur ton autel. Amen. Grâce infinie, auquel au don. Et après avoir chanté ce cantique, nous entrons dans la prière. Vous prenez la position qui vous convient, qui vous est nécessaire volontairement. Et entre-temps, comme on dit, nous demanderons au maestro de bien vouloir chanter des cantiques et en rapport à la, de jouer. La musique est en rapport à la dépendance, et en rapport à la consécration, et en rapport à la confession. 98, mélodie joyeuse, section française. Thank you.
Pardonnez-nous pour penser nous, pour ça nous dépenser qui bat dans volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour ça nos oreilles nous défendent qui bat dans volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour sa bouche nous dédie qui bat dans volonté de Dieu. Pardonnez-nous pour ça nous des sentiers qui bat dans volonté de Dieu.